Dans le langage des fleurs, la pivoine symbolise la beauté féminine, la protection et la sincérité des sentiments. Pas étonnant donc que cette fleur soit devenue la star de la fête des mères. En nous intéressant aux pivoines vendues par Fleuriot à Genève Aéroport, on a découvert deux choses surprenantes. Premièrement, elles sont 100% genevoises, et deuxièmement, elles poussent à quelques centaines de mètres de la piste sur la commune de Mérin. Donc Charles Milot, je suis CEO de Fleuriot Fleur. Si on est dans des tunnels, à côté de l'aéroport, où nous produisons nos pivoines, et ici vous êtes vraiment dans le tunnel qui va fleurir en premier, et qui nous permet d'avoir des pivoines juste avant la fête des mères. Sur ce terrain, Charles Milot et ses équipes cultivent uniquement la pivoine. Sur une année, cela représente plus de 250 000 tiges coupées. C'est quand même un volume important. Aujourd'hui, on est le plus grand producteur suisse, un de ceux qui restent, on va dire. Ce n'est évidemment pas facile de lutter contre la concurrence internationale et les caprices de la météo. D'ailleurs, cette année, en raison du froid des dernières semaines, Charles Milot n'était pas sûr de pouvoir récolter ses pivoines à temps pour la fête des mères. On a eu peur. À un moment donné, il faisait un peu froid, puis on s'est dit « on va peut-être pas y arriver, mais là, je pense qu'on est bon ». Les pivoines seront disponibles dans les différentes boutiques du fleuriste pour la fête des mères le dimanche 8 mai. D'ailleurs, on vous offre 5 bouquets. Pour ça, il suffit de noter le prénom de votre maman en commentaire. On tirera 5 gagnants au sort parmi tous les participants. Bonne fête des mères.